CEST, une annonce qui a pris tout le monde de court. Le 12 mai dernier, Mathieu Delormeau indiquait à ses fans arrêter la présentation de TPMP People ainsi que son rôle en tant que chroniqueur dans Touche pas à mon poste. Dès le lendemain, CEST Bernard Montiel qui le remplaçait. La direction de C8 et Cyril Hanouna me confie, au pied levé, la présentation de TPMP People aujourd'hui à 19h10. Je ne suis très heureux. Les chroniqueurs sont top, écrivait l'ancien animateur star de TF1. Mais voilà que certains internautes n'ont pas hésité à dénigrer Mathieu Delormeau. En effet, le samedi 3 juin, des téléspectateurs ont écrit des messages virulents à son encontre. J'aimais pas la façon de présenter de M. Delormeau. Bernard Montiel présente parfaitement bien. Ça change, ça sent la bienveillance, la tolérance, la foi, peut-on lire sur Twitter. De quoi mettre en colère le principal concerné. Je ne fais jamais de com. Je souhaite vraiment que TPMP People continue. Pour vous, pour les chroniqueurs que j'aime tant, pour la prod, Cyril Hanouna et C8 pour leur confiance, et même pour Bernard qui est pro. Et ça continuera, je ne suis persuadé. On est tous remplaçables, écrit-il. Mathieu Delormeau règle ses comptes avec Bernard Montiel mais Mathieu Delormeau s'en est pris à Bernard Montiel. Quand je vois que Montiel retweet des saloperies sur moi, à 66 ans, j'ai de la peine pour lui. Ce Bernard qui me trouvait toutes les qualités du monde quand j'étais proche de Cyril. Mathieu Delormeau a même indiqué avoir reçu de très beaux SMS de la part de son remplaçant. Il a conclu en citant François Mitterrand, « Seuls les petits rabaissent les autres ». L'ambiance est donc électrique entre les deux hommes. À ce jour, Cyril Hanouna ne cesse toujours pas d'exprimer quant au départ de son chroniqueur. Times through the rough times I